Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. Et c'est parti! Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Aujourd'hui, je vois bien Lucas. Il est capable de mettre le public en transe avec ses chevauchées incroyables. Quand il part en dribble, eh bien j'adore. C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Dans le dos de la défense? Oh, voici Lucas Moura, le bon dribble. C'est joué long. Bonne interception, il y avait danger. Elle préfère jouer avec son gardien. Le long dégagement du gardien. L'interception au bon moment. Un bon ballon dans la profondeur. Et le gardien peut se saisir de ce ballon. La frappe, attention! Oh, la main ferme! Oh, quel bel arrêt! Oh, qu'il est important cet arrêt! C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Il joue dans l'espace. Oh, la frappe! Ah, il faut aller plus vite sur ses contres. Oui, il a donné trop de temps à la défense pour se regrouper et à la fin, il a dû se précipiter. Un centre lointain. Il était bien présent. Matuidi. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Il joue en profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. C'est au fond des filets! Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Mais c'est un scénario incroyable! Alors que les premières gouttes commencent à tomber. Di Maria. Bon, voici Matuidi. Va-t-il en profiter? C'est dégagé. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir. La longue ouverture sur l'aile. Le ballon sort en touche. Qui est le premier sur ce ballon? Aurier.
choisit de centrer. Il glisse le ballon en profondeur. La passe en retrait vers son défenseur. Oh, voici Lucas Moura. Le ballon sort en touche. Long ballon dans le sens du jeu. Il choisit la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'arbitre signale une faute. Centre. C'est bien repoussé par la défense. Nouveau ballon dans la surface. De la jouer dans l'espace. Ça peut être extrêmement dangereux. Il est passé. Oh, quel caviar! Attention, la frappe! Et il marque! Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Il leur a suffi de quelques secondes pour mener ce contre à son terme. Et voilà, mené de 2 buts. Quelle surprise. Krychowiak. Thiago Silva. Lucas. Il peut frapper. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Thiago Silva. Maxwell. Di Maria. Et ce ballon vers ses attaquants. Un long ballon vers l'avant. Marquinhos. Matuidi. Krychowiak. Oh, voici Lucas Moura. Il décide d'allonger le jeu. Matuidi. Rabiot. Il poursuit son effort dans l'axe. Une très longue passe. Un ballon intéressant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Ils ont réussi un véritable exploit en première mi-temps. Mais est-ce qu'ils peuvent tenir maintenant jusqu'à la fin? C'est ça la question. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. D'envoi de la seconde période. Di Maria. Un long ballon vers l'avant. Pastore. C'est joué long. Lucas. Il avance bien. C'est bien écarté.
Et il choisit de jouer en retrait. Le long centre. Matuidi. Mais la porte s'est refermée. L'arbitre siffle une faute. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. C'est une occasion, ça! Une frappe à quelques millimètres. Ah! Ça aurait pu faire mouche. C'est pas passé loin. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Matuidi. Ça joue sur la gauche. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Une très grande ouverture. Lucas. Qui s'échappe. Oh, c'est au fond. Et voilà, sous nos yeux, un magnifique décrochage de toile d'araignée. Alors là, c'était totalement impossible d'aller la chercher. Plus maintenant qu'un but de retard. C'est un tout autre match qui commence maintenant. Ils sont en train d'inverser le tendance. Pastore. Cette fin de match reste ouverte suite à la réduction du score. C'est vrai, mais ils ont déjà marqué deux buts, alors rien ne les empêche d'en inscrire un troisième. Ce ballon bien dosé. Toujours pas de mouvement du côté du banc. On entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Thiago Silva. Long ballon dans le sens du jeu. Di Maria. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match. Krikoviak. Ben Arfa qui choisit le côté gauche. Oh, voici Cavani. Le gardien loin devant. Un long ballon vers l'avant. Pastore, qui joue dans la profondeur. Il centre directement. Voilà une bonne occasion de contre. Pastore. Lucas, qui compte donc un but dans ce match. Oh, quel geste! La passe est précise. Il file au but. Le jeu repart vers la droite. C'est bien fait. Ouverture lumineuse. Lucas, il a de l'espace. En retrait pour repartir proprement. Pastore. Lucas. Dans le dos de la défense. Un grand dégagement le plus loin possible. Dans l'espace.
Il allonge, pourquoi pas. Thiago Silva. Aurier. Lucas. Il va provoquer. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. C'est bien écarté. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Krikoviak. Dans quelques instants, il pourrait fêter un succès historique. C'est bien ce qu'il fait là. C'est joué long. Ben Arfa. Il a tenté, bien joué. La bonne passe. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Allez, plus que quelques instants à tenir. Et ce ballon sur l'aile. Oh, voici Lucas Moura. Bien joué ça. Le bon dribble. Et un bon centre dans la surface. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Lucas. Il écarte, il joue sur l'aile. Non, il est signalé hors jeu. S'il le trouve. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. On s'est régalé jusqu'au bout dans ce match très serré. Bien sûr, il y a eu des défaillances en défense. Bien sûr aussi qu'on a vu de très belles choses en attaque. Elle est importante, cette victoire. Vous savez, Andy, qu'on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Et pourtant, tous les joueurs que je connais préfèrent gagner. C'est drôle, non? C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalé tous ensemble et merci à vous, Darren, d'avoir été avec nous.